y a 50 000 ans, bien après l'extinction des dinosaures, des animaux de taille gigantesque vivaient encore en Australie. Ils constituaient ce qu'on appelle la mégafaune. Ces poids lourds ont dominé le règne animal plusieurs centaines de milliers d'années. Puis, ils ont à leur tour disparu. Ils ont été rayés de la surface de la Terre, victimes d'une extinction massive dont on ignore encore l'origine. Mais de récentes découvertes pourraient permettre de résoudre cette énigme. À la recherche de nouveaux indices à analyser, les paléontologues espèrent reconstituer les derniers moments de ces étonnantes créatures. Leur objectif ? Élucider le mystère de la disparition des géants d'Australie. Venus des quatre coins du globe, des chercheurs se retrouvent dans une région reculée d'Australie pour enquêter sur une scène de crime préhistorique. Trouveront-ils des éléments assez solides pour échafauder une théorie ? Les faits se sont produits ici, environ 50 000 ans avant notre ère. C'est là que sont enfouis les secrets de la mégafaune. Les espèces qui la composaient et les causes de leur mort. L'extinction massive la mieux connue est celle des dinosaures. Mais en ce qui concerne les mammifères australiens de l'ère glaciaire, les données sont maigres. C'est un domaine de recherche relativement récent où les questions sont plus nombreuses que les réponses. La plupart de ces géants préhistoriques n'existaient qu'en Australie. Ils étaient énormes. L'herbivore le plus imposant d'Australie était le wombat géant, ou diprotodon. C'est aussi le plus grand marsupial de tous les temps. Ils étaient étranges. Le lion marsupial, par exemple, était un prédateur de la taille d'une lionne, avec des griffes acérées et des dents aiguisées. Ils étaient féroces. Il y avait aussi le plus gros lézard au monde, le Megalania prisca. C'était un varan de la taille d'un crocodile marin. Ces géants ont vécu plusieurs millions d'années. Ils ont été confrontés au changement climatique, à la sécheresse, aux feux de brousse et aux prédateurs. Leur disparition est-elle due à l'un de ces facteurs? Ou bien a-t-elle été causée par un élément encore plus dévastateur? Les scientifiques cherchent à percer ce mystère. Sous la vaste plaine de Nullarbor, au sud-ouest de l'Australie, des spéléologues ont fait une découverte capitale. De quoi mettre en émoi toute la communauté scientifique. Ils ont retrouvé un squelette entier de lion marsupial, ou Tilacoleo, dans un état absolument parfait. La grotte a créé des conditions exceptionnelles de conservation. Le paléontologue Gavin Prideau dirige la mission chargée de dégager les ossements. J'ai vraiment ressenti quelque chose d'unique. Je n'en revenais pas que ce spécimen soit aussi bien conservé.
Il était en si bon état qu'on avait l'impression que l'animal venait de rendre son dernier souffle. Tilacoleo signifie « lion à poche ». Comme bon nombre de grands animaux préhistoriques d'Australie, c'était un marsupial, un mammifère qui portait ses petits dans un repli ventral. Ce squelette n'est qu'un des multiples fossiles qui ont été retrouvés dans cette véritable caverne d'Ali Baba. La plupart datent de plusieurs centaines de milliers d'années, et 8 d'entre eux concernent des espèces encore inconnues. Avant les géants d'Australie, d'autres grands animaux terrestres ont connu une extinction massive. Mais la mort de la mégafaune est relativement récente. Elle est survenue il y a moins de 50 000 ans et personne n'en connaît la cause. Mais on serait aujourd'hui à l'aube d'une avancée majeure. À l'Institut de recherche arctique et alpine du Colorado, les chercheurs commencent à reconstituer le puzzle. Ils ont examiné les coquilles d'œufs d'une espèce éteinte. Il s'agit de l'un des plus grands oiseaux coureurs de tous les temps. Le génie Ornis. Ces fragments de coquilles fossilisées contiennent des informations sur le type de végétaux dont il se nourrissait juste avant son extinction. Le génie Ornis était un oiseau vraiment gigantesque. Il mesurait dans les 2 mètres et pesait environ 200 kilos. C'était sans doute un fouisseur. La taille de son bec lui permettait de se nourrir en creusant le sol. Avant de disparaître, il a coexisté avec l'un des plus grands oiseaux qui ait survécu jusqu'à nous, l'émeu d'Australie. Les deux espèces avaient en commun leur incapacité à voler et leur taille. Mais le génie Ornis pouvait peser jusqu'à 6 fois plus que l'émeu. Pour avoir une idée de sa taille, on peut le comparer avec l'émeu que nous connaissons. Là, c'est un os que j'ai pris sur un émeu renversé par une voiture. C'est un fémur, l'os de la cuisse. Et là, c'est le même os, mais provenant d'un génie Ornis. Non seulement il est plus long, mais aussi beaucoup plus épais et dense. C'était un animal extrêmement massif. Parmi les multiples fossiles de génie Ornis dont on dispose, les coquilles d'œufs sont les plus nombreuses. Malgré leur fragilité, elles ont traversé les millénaires et renferment des indications précieuses sur le régime alimentaire de ces oiseaux. On se dirige vers Coral Bay, à l'extrémité ouest du pays. On traverse un vaste champ de dunes. C'est ici, entre ces monticules de sable déplacés par le vent, qu'on a le plus de chances de trouver des coquilles d'œufs de génie Ornis. Il devrait y en avoir pas mal. Ça commence déjà ici, avec une légère formation de carbonate secondaire sur celle-là. Le professeur Gifford Miller, de l'Université du Colorado, est persuadé que ces dunes de sable renferment la clé du mystère de la mégafaune. Ah oui, j'en vois quelques-unes. On devrait en trouver encore plus là-haut. L'équipe recherche des coquilles d'œufs de génie Ornis, mais aussi des meux. On en a déjà trouvé là-haut. Là, il y en a. Ah oui. On y est. C'est quoi ? On dirait un œuf d'émeu. Voyons voir.
Les émeus et les génies ornis ont vécu à la même période et ils nichaient aux mêmes endroits. Donc souvent, quand on retrouve des coquilles d'œufs de l'un, on en retrouve de l'autre. À partir de ces spécimens, les paléontologues peuvent comparer l'alimentation des deux espèces et mieux comprendre leur environnement. Le professeur Miller cherche à savoir si l'extinction du génie ornis pourrait s'expliquer par un bouleversement profond de l'écosystème. Pour déterminer les éventuels changements dans leur habitat avant et après l'extinction de l'oiseau préhistorique, il a analysé des coquilles d'œufs d'émeu. On est l'espèce qui ne s'est pas éteinte, c'est-à-dire l'émeu. Et on a étudié des coquilles parfois vieilles de 100 000 ans pour reconstituer ce qu'ils mangeaient avant et après l'extinction du génie ornis. À l'aide d'une méthode appelée la racémisation des acides aminés, le géologue peut dater les coquilles. Et il peut aussi avoir un aperçu du régime alimentaire de ce drôle d'oiseau. Les acides aminés de ces coquilles contiennent en effet plusieurs types de carbone qui correspondent à diverses nourritures. Puisqu'on sait que l'émeu est herbivore, il est possible de quantifier la proportion d'atomes de carbone issus des différents végétaux absorbés : herbacées, buissons, feuilles d'arbres, graines et fruits. On a vu qu'il y a plus de 50 000 ans, l'émeu se nourrissait de toutes sortes de végétaux, comme des herbes, des feuilles ou des arbrisseaux. Mais après l'extinction du génie ornis, tout un pan de cette végétation a disparu du régime de l'émeu, qui s'est tourné vers d'autres ressources alimentaires. Ce changement d'alimentation a-t-il été un facteur déterminant dans l'extinction de la mégafaune? À l'époque où vivaient ces animaux, le centre de l'Australie était une région luxuriante qui abritait une grande variété d'espèces. Aujourd'hui, c'est une zone totalement désertique. Les spécialistes veulent comprendre ce qui a provoqué la disparition de cette végétation. Pour tenter d'en savoir plus, ils étudient le plus grand marsupial herbivore. Le wombat géant, ou diprotodon. Ce colosse occupait les forêts ouvertes, la brousse ou les prairies, et consommait plus de 100 kg de végétaux par jour. Pour manger à sa faim, il parcourait d'énormes distances. Suite à une découverte étonnante en 1893 au lac Calabona en Australie-Méridionale, des paléontologues ont pu reconstituer le premier squelette complet de wombat géant. Depuis, des centaines d'autres fossiles ont été retrouvés sur ce site, dont des groupes de wombats embourbés dans un lac asséché. C'est la première fois qu'une cause de décès apparaît clairement. Tout porte à croire qu'il serait mort de soif au cours d'une sécheresse. Mais en période d'aridité, une grande taille peut également avoir des avantages. Les animaux les plus gros dominent les autres et s'approprient les rares points d'eau et les maigres ressources alimentaires. Quand la nourriture vient à manquer dans une zone très touchée par la sécheresse, les espèces de grande taille ont des réserves de graisse plus importantes et peuvent parcourir de longues distances pour trouver à manger. Les wombats géants étaient donc parfaitement équipés pour survivre à la sécheresse et dénicher de la nourriture. Ils ne semblaient pas être les plus menacés par l'extinction. Mais peut-être avaient-ils un point faible. Sa façon de se déplacer est étroitement liée à sa taille gigantesque. Afin de comprendre les circonstances de leur disparition, Steve Rowe, spécialiste en biomécanique de la mégafaune,
travaille avec des professionnels de l'animation pour redonner vie à ces animaux. Il ne faut pas oublier qu'il pesait dans les 2 ou 3 tonnes. On s'est inspiré du rhinocéros pour recréer ces différentes démarches. Oui. Le rhinocéros est sans doute l'animal vivant le plus proche en termes de biomécanique. Le Wumba géant mesurait 1,80 m au garrot pour 3 mètres de long et pesait près de 3 tonnes. Mais ces dimensions hors normes n'ont pas suffi à le protéger d'un environnement hostile et de prédateurs impitoyables. Un animal comme le Wumba géant n'était pas très rapide dans ses déplacements. Ça faisait de lui la cible idéale pour d'éventuels attaquants. Malgré tout, sa lenteur était compensée par une masse imposante. Il était tellement énorme qu'il pouvait facilement intimider l'ennemi rien que par sa stature. L'une des solutions pour échapper à la prédation, c'est d'avoir une corpulence dissuasive. Il paraît donc inconcevable qu'une espèce aussi gigantesque ait été réduite à néant par des prédateurs. Leur grande taille aurait-elle pu se retourner contre eux? D'autres animaux géants et voraces ont succombé à une extinction massive plusieurs millions d'années auparavant. Et si la clé de l'énigme était à chercher du côté des dinosaures? La mégafaune d'Australie était impressionnante et puissante. Elle comprenait des marsupiaux, mais aussi des oiseaux, sans oublier le plus grand lézard de tous les temps. Le Megalania appartenait à la famille des Varanidae. On dispose de très peu de fossiles de Megalania. On est loin d'avoir un squelette complet. Mais on possède assez d'éléments pour affirmer qu'il était de taille colossale. Certains disent qu'il pesait plus d'une tonne. C'était un reptile potentiellement dévastateur. Il était tout ce qu'il y a de plus carnivore, avec des dents aiguisées et crénelées. Donc en gros, sa mâchoire était équipée de lames tranchantes. Il était incroyablement puissant et tout à fait capable, en tout cas, en théorie, de se mesurer au plus gros mammifère préhistorique australien. Comment ce redoutable varan a-t-il pu s'éteindre ? Peut-être faut-il chercher des éléments de réponse quelques millions d'années avant la disparition de la mégafaune d'Australie, quand d'autres géants se sont éteints. Les dinosaures. La petite ville d'Esperanza, au pied des Pyrénées, abrite l'un des gisements de fossiles les plus importants au monde. Un site capital pour la compréhension du phénomène de l'extinction. Jean Leleuf est paléontologue. Il est responsable des fouilles qui ont permis d'exhumer les ossements d'une dizaine d'espèces de dinosaures. Des spécimens qui ont entre 65 et 80 millions d'années. Là-dessus, il y a 6 espèces environ de dinosaures herbivores et 3 ou 4 espèces différentes de dinosaures carnivores qui ont été identifiées. Les os fossilisés de ce site contiennent de précieuses indications sur le lien entre la taille d'une espèce et le risque qu'elle disparaisse.
Voici à l'heure actuelle le scénario le plus probable pour expliquer l'extinction des dinosaures. Il y a 65 millions d'années, une météorite de 10 km de diamètre a heurté la Terre à l'emplacement actuel du sud-est du Mexique. Elle a traversé la croûte terrestre, ce qui a provoqué des incendies à l'échelle planétaire, des tsunamis et de fortes tempêtes accompagnées de pluies acides. La poussière et les débris projetés dans l'atmosphère ont bloqué une grande partie des rayons du soleil et entraîné une chute des températures sur l'ensemble du globe. Ce cataclysme aurait rayé de la planète tous les dinosaures et au moins 50% des espèces qui existaient à l'époque. Dans cette période d'obscurité qui a pu durer plusieurs mois, peut-être même quelques années, les plantes ont donc dépéri à l'échelle du monde entier et cela a eu forcément des conséquences dramatiques pour tous les animaux herbivores, y compris les dinosaures herbivores, qui se nourrissaient de plantes et se sont donc trouvés sans aucune ressource alimentaire. Lorsque les dinosaures herbivores sont morts de faim, les carnivores ont péri à leur tour, faute de proie. Rien ne suggère qu'une météorite ait joué un rôle dans la destruction de l'habitat de la mégafaune australienne. Mais l'extinction des dinosaures permet d'en savoir plus sur les conséquences pour les animaux de grande taille d'un changement brutal de leur environnement. De nombreuses espèces ont disparu suite à la chute de la météorite, mais certaines ont résisté. Les survivants avaient tous un point commun, ils étaient de petite taille. Le critère est même très précis, aucun animal de plus de 25 kg n'a survécu à la catastrophe. Pourquoi ? Parce que les animaux de grande taille ont besoin de plus de nourriture. La disparition de la faune préhistorique d'Australie pourrait-elle être liée à sa taille gigantesque et à une pénurie soudaine de végétation ? Pour le savoir, les chercheurs doivent reconstituer les conditions environnementales de l'époque. Encore faut-il déterminer le moment exact où le phénomène s'est produit. Parmi les paléontologues, la date de l'extinction de la mégafaune a longtemps fait débat. Dans le sud-ouest de l'Australie, une découverte étonnante va leur fournir une nouvelle piste. Des équipes ont exhumé les os fossilisés de ce qui semble être un kangourou géant. On a là un morceau de squelette de kangourou à museau court, ou procoptodon, une espèce éteinte très répandue en Australie jusqu'à 40 ou 50 000 ans avant notre ère. On le trouvait dans toute l'Australie méridionale et plus particulièrement dans l'Ouest. Les paléontologues ont d'abord cru qu'il s'agissait juste d'un très grand kangourou. Mais le procoptodon adulte pouvait atteindre 3 mètres, quasiment 3 fois plus que le kangourou actuel. Ils ont également relevé une autre différence étonnante. Un museau très court. Ce type de morphologie permet d'avoir beaucoup plus de puissance à l'avant des mâchoires. Il avait la force d'arracher une branche d'arbre, par exemple. En revanche, les animaux qui ont un museau plus long peuvent brouter tout en gardant les yeux à une certaine hauteur, ce qui leur permet de voir venir d'éventuels prédateurs. Grâce à sa taille gigantesque, le procoptodon avait peu de crainte de ce côté-là. En l'absence de prédateurs, son extinction est encore plus inexplicable. Les ossements retrouvés dans le sud-ouest australien pourraient bien être les derniers vestiges de la mégafaune. Parmi les différentes strates qu'on a découvertes ici, celle-ci semble être la dernière à contenir de nombreux restes de mégafaune.
Il y en a un peu au-dessus, mais beaucoup plus en dessous. Donc il semblerait que ce niveau corresponde à la période d'extinction de la mégafaune au sud-ouest de l'Australie. Les paléontologues doivent maintenant délimiter avec précision cette période. Pour cela, ils ont recours à une méthode qui permet de dater des échantillons vieux d'un million d'années. Comme un médecin légiste qui enquête sur une mort suspecte, le géochronologue Burt Roberts analyse le sable où étaient enfouis les fossiles de la mégafaune. Il emploie une technique de pointe, la datation par luminescence, pour déterminer à quel moment le sable a été entraîné au fond de la grotte par la chute mortelle d'un animal. Ce sont des grains de sable prélevés sur les eaux. Grâce à cette datation, je vais savoir quand les animaux ont été ensevelis. Avant que ces cristaux de quartz ne tombent dans la grotte, la lumière du jour leur permettait de libérer l'énergie générée par l'irradiation naturelle. Je vérifie la propreté du disque. Et je le place sur le carrousel. Une fois ensevelis, ces cristaux ont emmagasiné jour après jour la radioactivité naturelle ambiante de la grotte. Quand on les soumet à une lumière ou une chaleur intense, les grains de sable restituent l'énergie accumulée sous forme d'une lueur plus ou moins forte. Cette technique de datation est extrêmement fiable. La marge d'erreur est de 5% seulement. Voici les résultats pour chaque grain. L'un d'eux génère une lueur d'une intensité suffisante pour nous indiquer à quel moment ces sédiments sont tombés dans la grotte et ont recouvert les cadavres d'animaux. On a analysé des dizaines de sites en Australie, des grottes, des terrains à ciel ouvert, des cavités rocheuses. On arrive sensiblement au même résultat. Si on fait la moyenne de toutes les dates obtenues, la période en question semble se situer entre moins 51 000 et moins 40 000 ans. C'est au cours de cet intervalle que la mégafaune s'est éteinte. La révélation de la période de la disparition des géants d'Australie est une étape décisive. Mais les paléontologues veulent encore affiner le résultat. À 30 km au sud-ouest de Paris, au siège du CNRS, l'Australienne Linda Ayliff dirige un projet de recherche sur les fossiles. À l'aide d'un procédé chimique appelé la datation à l'uranium-thorium, cette géophysicienne essaie d'établir une datation plus précise. Elle analyse des dépôts de calcite qui se sont formés sur le sol d'une grotte australienne suite au ruissellement des eaux le long des parois. Au fil du temps, ces concrétions ont recouvert les ossements d'animaux qui se trouvaient là. L'eau qui s'infiltre à l'intérieur des grottes contient d'infimes quantités d'uranium qui s'accumulent dans les formations calcaires. Cet uranium radioactif se désintègre ensuite progressivement en thorium. Le rapport entre uranium et thorium permet d'évaluer le temps écoulé. En datant ces coulées de calcite, les chercheurs peuvent déterminer avec précision l'âge des fossiles qu'elles renferment. Voilà comment on procède pour dater les formations souterraines de carbonate de calcium. On dissout l'échantillon dans l'acide. On obtient un concentré d'uranium et de thorium, et tout le calcium reste dans la solution d'origine. Linda Ayliff utilise un spectromètre pour évaluer la masse des molécules. La proportion d'uranium et de thorium présents révèle l'âge des fossiles. Après des années de recherche, la communauté scientifique obtient enfin la réponse tant attendue. La mégafaune s'est éteinte il y a 46 000 ans, à la fin du Pléistocène.
voilà qui confirme ce qu'avait annoncé le professeur Roberts. Cela signifie que ces espèces ont disparu en relativement peu de temps. Maintenant que l'extinction de la mégafaune est datée avec précision, l'enquête peut progresser. On sait que la mort de ces animaux a été rapide. Reste à déterminer qui se trouvait sur les lieux du crime. À peu près au moment de l'extinction, un nouveau prédateur a fait son apparition dans le paysage australien. Quand les hommes ont posé le pied sur ce territoire, ils sont certainement tombés nez à nez avec des créatures étranges et féroces. Qui étaient ces premiers humains et d'où venaient-ils? Ont-ils une part de responsabilité dans l'extinction de ces espèces? Pendant les différentes glaciations, l'Australie était accolée à la Nouvelle-Guinée et entourée d'îles plus grandes qu'aujourd'hui. Les bras de mer qui les séparaient du continent étaient de ce fait plus étroits. Cela a permis aux premiers hommes de gagner l'Australie depuis l'Asie. Arrivés par le nord, ils n'ont pas tardé à se disperser sur l'ensemble du continent. Ils s'y seraient installés entre 40 000 et 70 000 ans avant notre ère. Pour savoir si l'homme a contribué à l'extinction de la mégafaune, les chercheurs doivent d'abord prouver qu'il a coexisté avec les plus grands animaux préhistoriques. C'est dans ces paysages étonnants du sud-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud qu'on a retrouvé les traces de la première présence humaine en Australie. Ce sont les empreintes de mes ancêtres Gundiniyura. Ça veut dire « autant jadis ». Toutes les histoires qu'on nous racontait commençaient par ce mot, pour dire il y a très, très, très longtemps. Ce temps jadis remonte à 20 000 ans. Elles sont encore là. Lottie Williams appartient à l'une des trois tribus ancestrales de la région. Je dirais que celle-ci est l'empreinte d'une jeune fille et celle-là d'un homme. Ces traces de pas ont été faites dans la boue. Suite à l'assèchement des sols, elles se sont figées et sont restées dissimulées sous des couches de sable pendant des millénaires. Matt Cooper fait partie de l'équipe de chercheurs qui les a découvertes. Les traces de pas qu'on a retrouvées ici au lac Mungo étaient à l'origine en bordure d'un plus grand plan d'eau. Sous les couches de sable, on a retrouvé plus de 450 traces de pas. C'est le site d'empreinte du Pléistocène le plus important au monde. Elles nous en apprennent beaucoup sur le comportement social de cette population préhistorique. Elles indiquent qu'ils étaient entre une dizaine et une vingtaine d'individus. On peut donc en conclure que la société aborigène s'organisait en petits groupes. Il y a des empreintes aussi bien de jeunes enfants que d'hommes adultes. Donc ça veut dire qu'une famille entière ou un clan a transité par ici. Celui-ci devait marcher normalement. Celui-là, on dirait plutôt qu'il courait. Certaines empreintes mesurent jusqu'à 30 cm de long.
On pense qu'ils étaient très grands. Et l'écart entre chaque pas indique qu'ils couraient vite, peut-être même à 20 km/h. On a donc affaire à des individus puissants et en bonne santé, capables de fournir des efforts considérables. Vous avez vu cette émeu? Il y a des traces d'oiseaux et de lapins. Et d'émeu? Oui, un émeu. Dans la mythologie aborigène, que l'on appelle le temps du rêve, il est question des Kadimakara. Ce sont des animaux qui vivaient dans les zones forestières où les sous-bois regorgeaient d'eau et de nourriture. La légende raconte que leur habitat a été détruit. Ils ont été forcés d'errer sur le continent, et l'on peut encore trouver de nos jours des ossements leur appartenant. On a retrouvé des os de kangourous et d'émeus géants, mais aussi d'une espèce voisine du wombat géant. Ils vivaient ici il y a 40 ou 50 000 ans, quand ces grands lacs regorgeaient d'eau. Ça concorde avec les légendes du temps du rêve. Les données scientifiques prouvent ce qui a été transmis de génération en génération. Cette unité sédimentaire du lac Mungo a entre 40 et 60 000 ans. Ça correspond à peu près à la période où la mégafaune s'est éteinte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y trouve les traces des premiers humains de la région des lacs Willandra. D'abord, il y a les squelettes de l'homme et de la femme de Mungo, mais aussi des objets en pierre qui ont entre 42 et 50 000 ans. Il y a une fourchette de 4 ou 5 000 ans pendant laquelle on pense que l'homme et la mégafaune ont cohabité sur le continent austral. C'est pendant ce laps de temps relativement court que la mégafaune s'est éteinte. Mais ce n'est pas parce qu'il était contemporain de ces espèces que l'homme est responsable de leur disparition. Ceux qui pensent que l'homme a contribué à l'extinction de la mégafaune d'Australie sont confrontés à une absence de preuves. En Australie, on n'a jamais trouvé un seul site de chasse. On a peu d'éléments sur une éventuelle interaction entre l'homme et une espèce de grande taille. Si le coupable n'est pas l'homme, les scientifiques doivent poursuivre leur enquête. Il se tourne vers l'un des facteurs d'extinction massive le plus fréquent, le changement climatique. C'est dans la chaîne des Snowy Mountains, en Nouvelle-Galles du Sud, qu'il cherche des éléments susceptibles de prouver que les variations de température ont joué un rôle. Le relief de ces montagnes a été découpé par le passage des glaciers du Pléistocène. Dans cette région au climat rude et au paysage accidenté, le temps semble s'être arrêté. Pour comprendre pourquoi la mégafaune australienne a disparu, il faut prendre en compte les mutations climatologiques avant et après l'extinction. Au cours de son histoire, la Terre a connu plusieurs périodes de glaciation. Lors de ces périodes, les calottes glaciaires qui recouvrent les pôles s'étendent et recouvrent une grande partie des continents d'une couche de glace qui peut aller jusqu'à 1500 mètres d'épaisseur. La planète a-t-elle connu son maximum glaciaire, c'est-à-dire une extension maximale des glaces et les températures les plus basses, au moment de l'extinction des géants d'Australie? Les Snowy Mountains font partie des rares régions australiennes qui étaient recouvertes par les glaces au Pléistocène. Sur l'ensemble du continent,
les températures ont chuté en moyenne de 5 à 10 degrés. Mon travail dans ces montagnes consiste à déterminer le moment de la dernière glaciation et les températures les plus basses. J'ai prélevé des échantillons sur des surfaces créées par les glaciers, que ce soit les stries qu'ils ont gravées dans le socle rocheux ou les blocs de pierre qu'ils ont charriés derrière eux. Lorsqu'il aura établi à quand remonte la première interaction entre ces surfaces rocheuses et les glaciers, Tim Barrows pourra en déduire les dates des différentes glaciations. Si l'une d'elles coïncide avec l'extinction de la mégafaune, cela pourrait prouver que le changement climatique en a été la cause. Quand un glacier progresse sur un continent, il récure tout sur son passage et crée de nouvelles surfaces qui sont exposées aux radiations de l'espace. La Terre est constamment bombardée par les rayons cosmiques qui traversent l'atmosphère et ça provoque des réactions nucléaires à l'intérieur de la roche. Ces réactions génèrent de nouveaux éléments radioactifs. Grâce à la quantité de produits radioactifs présents dans la roche, on peut savoir quand la surface a été décapée par un glacier pour la dernière fois. Cet accélérateur de particules mesure la concentration de ces atomes très rares et permet aux chercheurs de dater avec précision les surfaces rocheuses issues de l'ère glaciaire. Quand on rapporte notre échantillon au labo, on doit d'abord le traiter chimiquement pour isoler ces éléments présents en très faible quantité. On dépose ensuite l'échantillon sur une plaque qu'on place dans l'accélérateur. C'est bon. On va augmenter le faisceau de 25%. La première glaciation remonte à environ 60 000 ans. La seconde aura eu lieu il y a 30 000 ans et la dernière il y a 19 ou 20 000 ans. L'étude montre que le maximum glaciaire n'a été atteint que bien après la disparition de la mégafaune. De plus, ces espèces ont survécu à la première glaciation, il y a 60 000 ans. Elles étaient donc sans doute capables de s'adapter au changement climatique. Des empreintes fossilisées près du lac Calabona en Australie méridionale confirment que le Woomba géant avait un pelage épais. On peut très bien envisager que la fourrure de ces animaux devenait plus épaisse ou plus fine en fonction des variations du climat. Les périodes glaciaires australiennes s'accompagnent souvent d'épisodes extrêmement arides. Lors de la dernière en date, le niveau des mers a chuté de près de 90 mètres et l'île de Tasmanie s'est rattachée au continent austral. La glaciation allait de pair avec un assèchement du continent. Les déserts ont progressé et la végétation n'existait plus qu'en montagne. Des conditions certainement très hostiles pour les animaux de grande taille. La variation de la longueur du poil est un moyen d'adaptation qui demande peu d'efforts. Mais modifier sa physiologie pour supporter un climat aride, c'est autre chose. La théorie est simple. La mégafaune a peut-être été décimée par une sécheresse extrême. Mais le prouver s'avère plus compliqué. Ces grottes spectaculaires abritent des formations calcaires qui témoignent des conséquences de la sécheresse sur la mégafaune. Elle constitue aussi l'un des seuls sites au monde où on peut trouver des fossiles de vertébrés sur une durée de 500 000 ans. Cette période très étendue permet aux paléontologues d'étudier les effets de la forte baisse des précipitations sur la mégafaune. Linda Ayliff participe à ce nouveau programme de recherche. Ces concrétions calcaires obéissent à un schéma de formation différent selon que la période est humide ou aride. On prélève des échantillons de stalactites et de stalagmites à plusieurs endroits de la grotte et on date leur formation.
Ces données sont ensuite recoupées avec l'âge de différents fossiles du site. Les résultats indiquent que si les espèces de grande taille ont effectivement vu leur population diminuer en période de sécheresse, la plupart d'entre elles ont réussi à reprendre le dessus. En fait, notre étude a démontré que la mégafaune australienne a longtemps résisté à une alternance de fortes précipitations et de sécheresse. Au cours des 500 000 dernières années, la seule fois où elle n'a pas survécu, c'est quand l'homme est arrivé sur le continent. Il faut se rendre à l'évidence, les fluctuations climatiques ne sont pas la cause principale de la disparition de la mégafaune. L'enquête se tourne à nouveau vers l'homme. Des scientifiques sillonnent l'outback à la recherche de preuves de l'interaction entre l'homme et les animaux de grande taille. Ils envisagent une nouvelle hypothèse. Et si les humains avaient procédé au massacre systématique de la mégafaune ? Certaines grottes australiennes abritent des peintures aborigènes ancestrales très élaborées. Elles nous renseignent sur la vie des premiers habitants du continent et sur la faune qu'ils côtoyaient. Les peintures aborigènes d'Australie ont des styles très variés. Elles représentent des choses très diverses, des activités humaines, des concepts abstraits, des animaux, des végétaux. Et les techniques sont multiples. Il y a beaucoup de grottes et d'abris rocheux en Australie, avec des peintures qui représentent tout un éventail de motifs, de styles et d'époques. En 1984, le paléontologue Peter Murray a entendu parler d'une peinture extraordinaire en terre d'Arnhem, à l'extrémité nord de l'Australie. C'était la première fois que j'admirais une peinture aussi ancienne. Quand j'ai compris ce qu'elle représentait, j'en suis pas revenu. Elle montre une créature qui semble tout droit sortie de la mythologie aborigène du temps du rêve. Un tronc ramassé, des pattes courtes et robustes, et une longue queue. L'animal est resté longtemps non identifié, jusqu'à ce que Peter Murray note une ressemblance avec le genre des Palorchestes, une espèce géante éteinte. On a consulté toute la documentation disponible et on a passé en revue les spécimens conservés dans les muséums. Ce ne sont que des fragments pour la plupart, mais on a persévéré. On espérait tomber sur un squelette plus complet qu'on pourrait comparer à la peinture. La recherche de ce spécimen n'a pas été une mince affaire. Mais les longues années de recherche ont fini par porter leurs fruits. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais un de mes collègues. La bonne surprise, c'est qu'il était intact. Ce crâne confirme que l'animal figurant sur la peinture rupestre a bel et bien existé. Pour la première fois, les chercheurs ont la preuve irréfutable que l'homme a cohabité avec la mégafaune d'Australie. Dans d'autres régions du monde, comme l'Amérique du Nord ou Madagascar, l'arrivée des humains a également coïncidé avec l'extinction massive de certaines espèces. C'est ce qui a poussé quelques scientifiques à émettre l'hypothèse d'un blitzkrieg. L'homme aurait livré une guerre éclair contre la mégafaune et l'aurait exterminée.
Partant du principe que l'être humain a toujours exploité toutes les ressources alimentaires à sa disposition, on peut effectivement penser que les animaux de grande taille ont été victimes d'un massacre systématique partout sur le continent. Avec l'arrivée de l'homme en Australie, le nombre de grands prédateurs a augmenté de près de 50%. Par sa présence et par sa volonté de maintenir sa population, l'homme a eu un impact sur la mégafaune. On a longtemps manqué de preuves pour corroborer cette théorie. Mais en Nouvelle-Galles du Sud, à Cuddy Springs, la découverte d'un site de fouille a soudain replacé l'homme en plein cœur du débat. Cuddy Springs est le seul site en Australie où l'on a trouvé à la fois des vestiges d'objets fabriqués par l'homme et des fossiles de mégafaune. L'archéologue Judith Field a la chance de pouvoir étudier l'une des plus importantes collections de fossiles de la mégafaune. Sur 5 unités de fouilles d'un mètre carré, on a retrouvé plus de 140 os différents, ce qui indique que les animaux sont morts sur place. Sous la surface de ce lac, elle a découvert plusieurs couches de sédiments fossilisés distincts qu'on appelle des horizons. Chacun d'eux correspond à un chapitre de l'histoire naturelle du lieu. L'horizon le plus profond indique un marécage. Personne ne venait camper ici. Mais dans l'horizon du dessus, à moins de 30 000 ans, on a trouvé des morceaux de charbon fossilisé et des os calcinés, notamment le fémur d'une espèce de kangourou aujourd'hui disparu. Tout porte à croire qu'il a été brûlé par des flammes, et seul l'homme a pu faire un feu sur un matériau comme cette argile. On a retrouvé entre autres sur ce site une mâchoire inférieure complète de wamba géant. Et juste à côté, un outil en pierre. C'est la découverte la plus extraordinaire de toute ma vie. Après ça, je ne peux qu'essayer de renouveler l'exploit. La première chose qu'on a trouvée, c'est la mâchoire inférieure d'un jeune diprotodon. Et coincé au niveau de l'articulation, il y avait ce qu'on appelle un percuteur. Un percuteur est un outil préhistorique qui servait à tailler des éclats tranchants dans des matières comme de la pierre. Les hommes qui m'ont appris à fabriquer ces outils étaient des aborigènes pure souche. Ça remonte à 70 ans, mais en tout cas, à l'époque, ils en faisaient encore. Ils utilisaient des morceaux de quartz comme celui-ci. C'est une roche très solide. Aujourd'hui, moi, je les taille avec des outils modernes. Je commence par détacher un éclat avec un marteau. Et ça donne un très bel outil. Vous voyez, c'est très aiguisé. À partir de ce morceau de roche, on peut fabriquer des éclats tranchants de toutes les tailles. Si les espèces appartenant à la mégafaune étaient à peu près de la taille du bétail actuel, les hommes ne devaient avoir aucun mal à les dépecer avec ce genre de lame. L'analyse de ces outils en pierre permet de déceler les plus infimes gouttes de sang ou fragments d'os, même des dizaines de milliers d'années plus tard. L'examen de ces outils a révélé des traces de sang et des marques montrant qu'ils avaient servi à découper des os et des chairs. Ils étaient donc utilisés pour le dépeçage des animaux. La surface de l'outil en pierre porte les marques microscopiques de la découpe de la viande. Mon peuple faisait cuire tout ce qu'il trouvait pour le manger. La mégafaune, comme les animaux de petite taille qui existaient à cette époque-là. Les preuves sont indéniables. L'homme a bien mangé des animaux géants.
mais les outils retrouvés évoquent davantage des outils de découpe que de véritables armes. Et certains fossiles indiquent que les animaux sont morts parce qu'ils s'étaient embourbés. Cuddy Springs n'est peut-être qu'un immense cimetière animal où les hommes venaient se nourrir d'animaux déjà morts ou blessés. Il est pourtant difficile de rayer totalement l'homme de la liste des suspects. Les récentes découvertes sur leur outillage laissent penser que les premiers habitants d'Australie maîtrisaient parfaitement l'art de la chasse. Les premiers humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Parmi les armes les plus redoutables dont ils disposaient, il y avait les pointes de lance en pierre retrouvées en Europe du Nord et en Amérique. Elles servaient principalement à tuer les grands mammifères de l'ère glaciaire. Mais si les éclats tranchants en pierre existent en Australie depuis plusieurs dizaines de millénaires, la pointe de lance en pierre, elle, n'est apparue qu'il y a 6000 ans. Donc, bien après l'extinction de la mégafaune. Les premiers Australiens ne se servaient pas de lance à pointe de pierre parce que les roches dans lesquelles on fabrique des pointes à la fois solides et fines n'étaient pas très répandues sur le continent. Il y avait plutôt des silcrètes, c'est-à-dire des concrétions de silice. Ce sont des matériaux parfaits pour fabriquer de quoi écorcer ou fendre une branche, par exemple, mais très difficiles à tailler en pointe acérée. On n'a pas retrouvé d'outils de chasse de cette période. Et aujourd'hui, les archéologues sont sûrs que ceux fabriqués par les populations de l'époque étaient très basiques. Cela sous-entendrait que les premiers habitants du continent austral ne disposaient pas d'armes assez perfectionnées pour chasser la mégafaune. Mais Cuddy Springs apporte aussi la preuve qu'ils utilisaient une technologie très évoluée pour l'époque. On a retrouvé des meules vieilles de 30 000 ans, ce qui signifie qu'ils avaient 20 000 ans d'avance sur le reste du monde. Judith Field a établi l'origine de ces pierres. Elles proviennent d'une carrière située à 120 km du site. À l'ouest de Cuddy Springs, il y a une carrière de grès située sur une colline, où partout on voit clairement les endroits où des morceaux de pierre ont été extraits par la main de l'homme. On y a découvert énormément de vestiges d'outils en pierre. Gary, je crois que j'ai trouvé un marteau. Beau spécimen. Ces roches étaient parfaites pour être transformées en meules et en outils de taille, mais elles ne pouvaient en aucun cas servir à fabriquer des armes plus meurtrières. C'est trop fragile pour en faire une hache? Oui. Donc ils n'en faisaient que des meules? Des meules et sans doute aussi des pierres funéraires. Parce que la roche dont ils disposaient était trop friable, les premiers Australiens se sont tournés vers d'autres matériaux pour fabriquer des armes. Le continent ne manque pas de bois dur. On peut les tailler avec ces lames en silex qui sont peut-être un peu plus compliquées à manier. Et le bois donne des outils tout aussi efficaces que les pointes en pierre les plus sophistiquées. Dire que l'outillage des populations aborigènes n'était pas assez évolué pour chasser les proies de grande taille ne tient pas debout. Au vu des outils qu'on a retrouvés, ils étaient parfaitement à même de tuer ce genre d'animaux. Les
pointes de lance en bois dur peuvent infliger des blessures graves. Elles auraient parfaitement pu être utilisées contre de jeunes individus de la mégafaune. Et c'est peut-être ce qui a précipité l'extinction de ces espèces. En fait, ce n'était pas si compliqué de décimer la mégafaune. Ces animaux se reproduisent à un rythme très lent. Alors il suffit d'un individu tué par personne et par décennie pour les faire disparaître. Et si en plus ce sont les jeunes qui sont visés, l'espèce est vouée à l'extinction, puisqu'elle ne peut pas se renouveler assez vite. Donc ça a été une forme de guerre éclair, mais pas un massacre généralisé avec du sang partout. Il ne s'agissait que de simples barbecues, à l'échelle d'un groupe ou d'une famille. Et quelques milliers d'années ont suffi à faire disparaître totalement ces espèces. Même si les premiers occupants australiens disposaient d'armes adaptées à la chasse des jeunes individus, ces animaux n'étaient pas des cibles faciles pour autant. L'hypothèse qui avance la chasse pratiquée par l'homme comme la première cause de l'extinction de la mégafaune repose sur l'idée que ces animaux étaient tellement peu habitués à la prédation qu'ils étaient faciles à tuer. En réalité, la mégafaune avait très certainement des prédateurs avant l'arrivée de l'homme. Elle avait donc déjà développé des mécanismes de protection. Certaines espèces pouvaient même être qualifiées de redoutables en attaque comme en défense. Si l'homme est le seul responsable de la disparition de la mégafaune, cela veut donc dire qu'il a été confronté, entre autres, au lion marsupial. Il était tout en haut de la chaîne alimentaire dans l'Australie de l'ère glaciaire. C'est le mammifère carnivore qui s'est le mieux adapté à son environnement, toutes époques confondues. Il avait des griffes rétractiles aux membres supérieurs et inférieurs. Celles de ses pouces étaient particulièrement développées. Certains pensent qu'il s'en servait pour tuer et lacérer ses proies, qu'il les éventrait d'un coup de griffe et les laissait se vider de leur sang. Je n'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'il s'en servait pour agripper ses proies. L'hypothèse que ces griffes suffisaient à protéger le lion marsupial des attaques humaines ne fait pourtant pas l'unanimité. Et la communauté scientifique a longtemps été perplexe quant à la dentition de cet animal. Car à première vue, les dents du lion marsupial n'évoquent pas franchement celles d'un redoutable carnivore. Steve Rowe cherche à déterminer si l'espèce avait la force et la capacité de se défendre contre des prédateurs, notamment l'homme. Il sait comment en avoir le cœur net. Il commence par passer au scanner le crâne intact d'un petit lion marsupial conservé au Muséum d'Australie méridionale. Puis, il transmet les clichés à ses collègues de l'Université d'Australie-Occidentale. Grâce au prototypage rapide, ils élaborent un moule en taille réelle du crâne et des mâchoires. Cette technique utilise la modélisation numérique pour générer des coupes extrêmement fines d'un volume scanné. À l'aide d'un faisceau laser, des particules de poudre métallique sont agglomérées en des milliers de couches solides qui se superposent les unes aux autres pour former une pièce en 3D.
partenariat avec l'université de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud, Steve Rowe a mis au point une méthode simple pour évaluer la puissance des mâchoires du lion marsupial. Il combine la conception assistée par ordinateur et des tests de résistance biomécanique, puis procède à diverses expériences sur une tête de mouton. Ok. D'abord, les grandes incisives de devant ont pénétré la chair. Ensuite, les mâchoires ont fait glisser le cou de l'animal vers les grosses molaires du fond pour le broyer. Et encore, on a pris comme modèle un petit lion marsupial. La force des mâchoires d'un jeune lion marsupial peut atteindre 450 kg, pratiquement autant que les lionnes d'aujourd'hui, pourtant deux fois plus grandes. À taille égale, sa morsure est donc deux fois plus puissante que celle des félins actuels. Il était bien plus redoutable que n'importe quelle espèce présente en Australie à l'époque. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Un lion adulte pouvait tuer un homme sans problème. Le lion marsupial était l'une des espèces les plus féroces. En cas de confrontation, c'est certainement l'homme qui aurait pris ses jambes à son cou. Pour les équipes de recherche, le mystère s'épaissit. La clé résiderait-elle dans les plus minuscules vestiges de la mégafaune ? Le professeur Gifford Miller, de l'Université du Colorado, revient sur les lieux d'une scène de crime préhistorique. Parmi ces dunes de sable, il cherche des fragments de coquilles provenant des œufs de Géniornis. Il y en a quelques-uns ici. Ici aussi, il y en a plusieurs. À ce jour, là où les causes exactes de l'extinction de la mégafaune n'ont toujours pas été identifiées. Mais les recherches du professeur Miller pourraient contribuer à faire progresser l'enquête. Les précédentes études sur les coquilles ont déjà permis de conclure que le Géniornis s'était éteint il y a environ 45 ou 46 000 ans. On sait aussi qu'il a coexisté avec l'émeu, un autre oiseau herbivore. Mais après l'extinction du Géniornis, certains végétaux ont disparu et les émeus ont modifié leur alimentation. Les modifications de leur régime il y a 45 000 ans nous indiquent que les écosystèmes australiens ont changé du tout au tout et que le continent est devenu semi-aride. Depuis, il est resté tel quel jusqu'à aujourd'hui. Il n'est jamais revenu à son état antérieur. L'évolution de la flore aurait-elle provoqué l'extinction du Géniornis ? Le professeur Miller a établi que cet oiseau n'avait pas un régime aussi varié que l'émeu. Question nourriture, il était beaucoup plus difficile. Le fait d'avoir un régime limité à certains aliments bien particuliers a sans doute rendu le Géniornis plus vulnérable que l'émeu, qui mange plus facilement de tout. Quand la végétation a évolué, le Géniornis n'a pas su s'adapter. Et les modifications de la flore se sont répercutées sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.
les herbivores ont été décimés. Et les grands carnivores qui s'en nourrissaient sont devenus à leur tour vulnérables. Ils se disputaient âprement le peu de proie qui restait. Mais la diminution des ressources alimentaires n'a pas été le seul obstacle auquel la mégafaune a dû faire face. Tu as trouvé quelque chose, John? Il y en a un peu, là. Au milieu de ces dunes de sable, le professeur Miller et ses collègues ont fait une découverte troublante. Ils ont retrouvé des coquilles de géniornis portant des traces de feu, ce qui indiquerait que le prédateur de ces œufs n'était autre que l'homme. Certaines sont complètement calcinées. Il se peut qu'elles aient été prises dans des incendies. Mais d'autres présentent une combustion partielle et inégale. En voici un exemple ici. Ça n'arrive que si quelqu'un a fait cuire un œuf, l'a épluché et a rejeté les coquilles dans le feu. Certaines touchent les braises et ça donne ce genre de traces. Il y en a plein. C'est le bon coin. J'en ai trouvé des belles. Le professeur Miller a trouvé encore mieux. Les traces d'un campement plus loin sur la côte où les premiers hommes auraient fait cuire au moins 2 œufs de géniornis. Il a ramassé près d'1 kilo de coquilles partiellement calcinées. Les géniornis qu'on a retrouvés ici et dans les environs remontaient à 50 ou 55 000 ans, juste avant leur extinction. Voilà qui prouve une fois encore que l'homme et certaines espèces de géants d'Australie ont bel et bien coexisté. Et aussi que le géniornis représentait pour l'homme une source de nourriture. D'où une menace supplémentaire pour sa survie. Le géniornis avait bien d'autres prédateurs que l'homme. Cette encoche est la marque d'un animal qui a attrapé l'œuf en le perçant avec ses canines, avant de manger le poussin à l'intérieur. Pour ces grands oiseaux, la vie n'était décidément pas de tout repos. Ils étaient menacés par la raréfaction des ressources alimentaires dues aux variations du climat et par de nombreux prédateurs. Mais avant cela, d'après ce qu'on sait, ces animaux ont toujours été capables de s'adapter à tous ces facteurs. Pour nous, la seule différence à ce moment-là, c'est l'apparition des hommes. D'une manière ou d'une autre, l'activité humaine a dû les pousser jusqu'au point de non-retour. L'homme a-t-il eu un impact sur le milieu naturel? Les équipes de chercheurs touchent au but. Grâce à l'exemple des dinosaures, ils savent que plus les espèces sont grandes, plus elles sont vulnérables. Et ils ont établi que la disparition de la mégafaune coïncidait avec une évolution de la végétation et une sécheresse accrue. L'amenuisement des ressources a dû avoir un impact catastrophique. Les animaux de grande taille ont besoin de plus de nourriture et de zones d'alimentation plus étendues. Donc théoriquement, ils peuvent tout à fait être les premiers à disparaître. Parmi toutes les hypothèses envisagées, celle d'une modification de la végétation est sans doute la plus innovatrice. Mais elle comporte encore une zone d'ombre. En admettant que l'homme ait joué un rôle dans cette modification, quelle activité aurait pu bouleverser l'habitat de ces espèces au point de détruire leurs ressources alimentaires ? Les premiers humains pourraient-ils, directement ou indirectement, être à l'origine de la disparition des espèces géantes qui peuplaient l'Australie?
ont-ils eu une incidence sur leur environnement? Après les mutations profondes subies par la flore, de nouvelles espèces ont fait leur apparition sur le sol australien. Le paysage actuel est dominé par des broussailles extrêmement inflammables, principalement du spinifex et des graminées de type herbe à éléphant. Elles sont peu nutritives et s'enflamment très facilement. Ça donne un décor assez désolé avec très peu d'arbres et de buissons. Les paléontologues ont voulu savoir à quoi ressemblait le paysage préhistorique. En creusant la terre, ils ont eu la surprise de tomber sur des couches noirâtres, qu'ils ont identifiées comme des restes de végétation calcinée. Il y a toujours eu des feux de brousse naturels en Australie. Ils sont souvent causés par la foudre. Mais sur les couches qui datent de moins 50 ou moins 45 000 ans, c'est-à-dire au moment où les hommes se sont installés en Australie, on observe une plus forte concentration de charbon. Or, ces dépôts de charbon coïncident non seulement avec l'arrivée des humains, mais aussi avec l'extinction de la mégafaune. Ils correspondent en outre à la disparition de plusieurs espèces végétales qui composaient les forêts tropicales. On peut donc penser que la multiplication des feux à grande échelle a transformé l'environnement. Il y a très probablement un lien avec l'arrivée des hommes. Ça ne peut pas être juste une coïncidence. Confrontés à des animaux féroces et de grande taille, les premiers Australiens ont trouvé une solution ingénieuse pour les tenir à distance. Ils ont utilisé le feu. Mais ils peuvent avoir eu d'autres raisons de brûler la végétation. Les hommes provoquaient des incendies pour couper la route à leur proie, pour favoriser les plantes comestibles, pour débroussailler un chemin. Ce procédé appelé culture sur brûlis est sans doute à l'origine de la disparition d'une bonne partie de la végétation dans de nombreuses régions d'Australie. Avant l'arrivée des hommes, les feux de brousse n'étaient ni aussi fréquents, ni aussi étendus. Et les végétaux dont se nourrissait la mégafaune abondaient. Mais le brûlage répété a entraîné la disparition des feuilles et des fruits prisés par les grands herbivores. Il a également favorisé l'apparition de végétaux résistants au feu. Ça s'est fait progressivement. Le nombre d'eucalyptus a peu à peu augmenté, ainsi que celui d'autres végétaux moins sensibles aux flammes. Il est prouvé que la culture sur brûlis faisait partie intégrante des activités humaines de l'époque. La fréquence et l'intensité croissante de ces feux ont probablement fait peser une menace sans précédent sur la mégafaune. Entre ça et la chasse, elle a eu du mal à survivre. La longue enquête aboutit à une conclusion surprenante. Un petit groupe d'hommes a modifié l'écosystème de tout un continent, au point de faire mourir de faim l'ensemble de la mégafaune.
Pendant plus d'un million d'années, les géants d'Australie ont résisté à tout ce que la nature leur a infligé. Glaciation, sécheresse, incendies déclenchés par la foudre. Mais l'arrivée de l'homme leur a été fatale. Si l'homme n'était pas venu en Australie, la mégafaune serait encore vivante aujourd'hui. On a joué un rôle déterminant dans sa disparition. On a été l'ultime fléau qui l'a anéanti. L'analyse de sites récents découverts en Tasmanie confirme cette théorie. Sur cette île, la mégafaune a survécu 5000 ans de plus que sur le continent et s'est éteinte presque immédiatement après l'arrivée des premiers humains. On a été un élément clé de l'extinction de la mégafaune. Toutes les datations mettent en évidence le lien entre sa disparition et l'arrivée des hommes. Et on sait par quel mécanisme. Le brûlage régulier et systématique de la végétation. Par un effet domino, cette pratique a fini par aboutir à la disparition totale de la mégafaune. Au final, la modification de l'environnement par les feux intensifs est l'explication la plus logique. Les paysages sont très sensibles aux bouleversements et ça peut se répercuter à l'échelle d'un continent. La thèse de la responsabilité de l'homme présente cependant une faille. Au fil des millénaires, les aborigènes d'Australie se sont toujours montrés soucieux de préserver la nature et ont veillé au renouvellement des ressources qu'elle offrait. Pourquoi leurs ancêtres auraient-ils détruit l'habitat de la mégafaune en pratiquant un brûlage à outrance? Quand les hommes sont arrivés en Australie, ils ont été confrontés à un paysage totalement nouveau, très différent de l'Asie du Sud-Est dont ils étaient originaires. Il y a eu une période d'adaptation. C'est à cette période que tout se serait joué. Par la suite, ils se sont familiarisés avec les différents écosystèmes australiens et ont appris à gérer les ressources naturelles de manière plus durable. Aujourd'hui, l'homme a un impact considérable sur l'ensemble des écosystèmes de la planète. La pollution, la déforestation et le réchauffement climatique ont pris une ampleur telle que l'activité humaine menace désormais jusqu'à l'existence même de notre espèce. Si nous acceptons que la grande taille peut être un facteur qui prédispose à l'extinction, et si la destruction de l'environnement que nous connaissons actuellement se poursuit, l'espèce humaine pourrait bien devenir la plus grande espèce animale sur la planète. Et dans ce cas, on peut se poser des questions sérieuses sur ses chances de survie. Les géants de la mégafaune se sont éteints il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais ils nous ont laissé des informations précieuses. Ils nous ont offert un aperçu d'un univers très différent du nôtre. Et nous ont mis en garde contre les dangers d'une nouvelle catastrophe écologique que nous pourrions déclencher. Saurons-nous entendre cette leçon venue d'un lointain passé ?